De manière absolument terrible, c'est un déluge d'eau qui s'est abattu également sur un grand quart nord-ouest. Ouais, le passage de la tempête Kiran marquera les esprits, phénomène historique dont le bilan fait état ce matin d'un mort dans l'Aisne, un chauffeur poids lourd qui était dans son camion lorsqu'un arbre s'y est abattu, deux blessés légers également dans le Finistère et puis des dégâts matériels. Ils sont nombreux, arbres arrachés, électricité coupée pour plus d'1 200 000 foyers, 780 000 rien qu'en Bretagne, des toits envolés. La vigilance est toujours en rouge dans les côtes d'Armor et la Manche. Le Finistère a été rétrogradé en orange, comme 24 autres départements. Point complet sur Europe 1 avec les correspondants, nos correspondants en région sur la façade atlantique. D'abord avec vous, Charles Guyard, vous êtes à Quimper. Circulation interdite ce matin sur les routes du Finistère. Oui, en effet, c'est une mesure plutôt inédite. Il est interdit de prendre le volant. Tous les habitants du Finistère en ont été informés un peu après 6 heures par SMS via le fameux système FR Alert. Une information qui visiblement n'est pas toujours passée puisque quelques véhicules qui ne sont, semble-t-il, pas prioritaires circulent toujours. Le préfet du département, Alain Espinasse. Le réseau secondaire est totalement encombré. Les branches, les arbres, les fils, du mobilier urbain parfois. Ça m'a conduit à prendre une mesure générale d'interdiction de circulation pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas sécurisé. Donc éviter d'envoyer les gens sur des routes où il y a des arbres, où il y a des arbres qui peuvent tomber, d'une part. Et puis c'est ainsi laisser le réseau le plus rapidement libre une fois qu'il est dégagé pour les forces de sécurité, les forces de secours au service de nos concitoyens. On a déjà 2-3 voitures, c'est des accidents légers, mais de la tôle froissée contre des arbres qui étaient au milieu de la chaussée, quoi. Les arbres couchés ou des branches arrachées, voilà à cette heure les principaux dégâts constatés. En plus des coupures d'électricité, plusieurs centaines de milliers de compteurs ne sont plus alimentés dans le département actuellement. Des quartiers entiers sont toujours plongés dans le noir. Côté humain, aucune victime n'est à déplorer. Pour l'instant, 2 blessés légers ont en revanche été pris en charge hier soir, dont un pompier volontaire. Merci Charles Guyard en direct de Quimper en Bretagne. On a recensé 207 km/h de vent à la pointe du Raz, oui. Et des vagues à plus de 20 mètres au large de Brest. Il y a cette image aussi d'une grue coupée en deux cette nuit également à Brest. Assez impressionnante, vous verrez ça sur les réseaux sociaux. On file à Cherbourg dans la Manche. On retrouve Guillaume Dominguez. Nuit plutôt calme. Guillaume, malgré la pluie, mais ça y est, ça souffle à Cherbourg. Oui, la tempête monte ici de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi. Selon les derniers points météo enregistrés ici à Cherbourg, le vent souffle à 130 km/h de moyenne avec des rafales enregistrées entre 140 et 150 km/h. Et ça va continuer de grimper dans les heures à venir. Les rues sont désertes ici. Les habitants ont ordre de rester chez eux. Ne sortent que certains travailleurs comme Tristan. Il assure la sécurité des bateaux amarrés dans le port. Et face aux conditions météo, la priorité est donnée à la sécurité. On commence par une tenue bien sèche, des bottes, et après on fait attention, on marche doucement, on regarde où on met les pieds, on regarde aussi ce qui nous passe au-dessus de la tête, parce que quand ça vole comme ça, on a vite fait de prendre un truc dans la tête quand on est dans un bateau, si ça se décroche, et mettre un petit message aux collègues quand on part sur les pontons et qu'on va faire un tour. Voilà, la calmie n'est pas attendue ici avant au moins le milieu de matinée, mais pour le moment, plus de peur que de mal. Aucun blessé n'a été recensé dans la Manche pour le moment. Merci Guillaume Dominguez à Cherbourg pour Europe 1, la Manche où l'on compte tout de même 185 interventions de pompiers. Notez que Kiran a également fait beaucoup de dégâts sur l'île anglo-normande de Jersey, pluie de grêlons et tornades cette nuit. Voilà ce qu'on pouvait voir.